Salut, un petit message pour remercier la fédération qui nous accueille toujours super bien, qui nous permet d'évoluer dans de belles organisations comme l'IFMA. On est encadré par une très très bonne équipe d'entraîneurs. On est encadré aussi par un kiné, dès qu'on a une douleur ou autre après chaque fight, on est pris en charge. On est suivi par un caméraman aussi qui nous prend en photo, en vidéo, avec qui on fait des débriefs sur chaque journée. Très content de l'organisation, de l'équipe, du staff, vraiment super, une kiné qui nous met au top, des entraîneurs affûtés qui nous mettent bien dans de très bonnes conditions. On a cru en moi, on m'a donné ma chance. J'ai réussi à prendre le titre de champion du monde à Bangkok en Muay Thai. Franchement, on a une bonne équipe, bonne entente, on est tous bien soudés. On s'entend très bien, à très bon niveau, on se soutient, on travaille ensemble, on se supporte. Donc je tiens à dire un grand merci donc, à la Fédération Française, à M. Nadir Alouache, le président de la Fédération, à tous les entraîneurs et tout le staff qui nous entoure. Les boxeurs comme le staff, Nadir aussi, rien à dire, ils nous suivent de près. Ça fait vraiment plaisir et c'est très valorisant. On est toujours bien accueillis et on a le meilleur président de la FKMDA, Nadir Alouache, et toute la FKMDA. On a bien 10 sur 10 au top au niveau de l'accueil et il n'y a pas de problème. Voilà. Donc comme d'habitude, on est très bien reçu par toute l'équipe de la FKMDA, par la fédération. Ce que je retiens vraiment, c'est que c'est une expérience inoubliable. Avec une vraie team, on est une vraie famille. Et moi, j'ai trouvé ma pote Annel avec qui on se voit régulièrement. Ça se passe super bien, j'ai été super bien intégrée au groupe. Donc des compétitions sur lesquelles on est emmené sans qu'on a déboursé quoi que ce soit. Donc une grosse aide fédérale. Et puis sur place, vraiment les athlètes sont traités comme des petits rois. Franchement, on a cette chance. C'est vraiment une bonne expérience de pouvoir partager ça avec les membres de l'équipe qui ont une expérience en plus. On remercie beaucoup toute la fédération parce que c'est une chance pour nous d'être sur tous ces Open, championnats, sur des expériences supplémentaires et toujours dans des très bonnes conditions. En espérant aller jusqu'au bout et pouvoir partager d'autres déplacements avec cette équipe de France. En ce qui concerne la fédération, on peut dire qu'on est très très bien encadré, on a un très bon suivi, on a tout ce qu'il faut. Les résultats aujourd'hui sont là. L'équipe de France m'a permis de non seulement de faire connaissance avec beaucoup de boxeurs, que ce soit dans la Team France ou même à l'étranger, de voir différents styles de boxe toujours m'améliorer. Une kiné à disposition, on a souvent 3 ou 4 coachs qui viennent avec nous pour chaque déplacement, qui font un excellent travail. Et j'ai une pensée très très particulière pour notre président, M. Nadir Alouache, que je considère beaucoup et je pense qu'il le sait. Là je suis arrivé en finale, grâce à l'équipe de France, au staff. Je remercie beaucoup M. Nadir Alouache, les coachs, le caméraman et surtout la kiné qui m'a soigné. Voilà, merci beaucoup. Ils nous ont accueillis, ils nous ont pris en charge l'hôtel. Et pour chaque médaille que nous avons gagnée durant la compétition, la FKMDA nous donne une prime. En tout cas, je remercie la fédération pour ce qu'elle fait pour l'équipe de France. Merci au staff, merci Nadir, vive la FKMDA. Merci pour sa confiance et merci à toute la fédération. Et voilà, merci la FFKMDA. J'ai bossé très dur pour ça, j'ai fait les championnats de France des petits. Et voilà, merci beaucoup. Vive la FFKMDA! Bonjour à tous, Rossa Martino, 63-5. Je vais faire mon quart. Je viens de gagner haut la main, j'ai eu 3 rounds. Tout à l'heure, je vais faire ma demi. Et voilà, on va tout donner encore. Merci.